Salut mesdames et messieurs, bienvenue à la première édition de l'émission Découverte. Découverte, c'est une émission comme ça qui va faire le grand plan sur les jeunes joueurs, les jeunes talents du championnat camerounais, toutes divisions confondues. Vous savez, il y a des jeunes talents qui émergent, il y a des jeunes talents qui sortent du lot et cette plateforme leur est offerte comme ça. Pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir parler d'eux, parler de leur début, parler de leur carrière et de nous donner un peu un plan de carrière et les objectifs qui se sont fixés. Pour cette première édition, on va parler du jeune Abdel Mefiré Salam, jeune attaquant de AS Fortuna qui vient. Jeune transfuge de l'Académie Indomable, où il a été détecté par le manager Igor Baye. Il va très vite gravir les échelons et, comme ça, partir du championnat d'arrondissement au championnat de Ligue 1. Où, en quatre sorties, rassurez-vous, il a déjà inscrit 3 buts. Il est vite repéré par l'encadrement technique de la sélection nationale junior. Qui voit en lui un futur crack. Abdel Mefiré Salam illumine les stades à chaque apparition. Technique, rapide, puissant et surtout redoutable renard de surface. Il a tout pour devenir un grand. Allons tout de suite à la découverte de ce jeune prodige du ballon rond camerounais avec fils Daniel Indjek. Suivez mon regard. Bonsoir Abdel et surtout, merci de nous faire confiance. Et là, qui est Abdel? Abdel, c'est un jeune footballeur qui a commencé à jouer ici à Yaoundé. Et ce n'était pas du tout facile avec la famille et bien d'autres fils qui nous ont un peu empêché de jouer et j'ai commencé à jouer les championnats de vacances et quelques fois je m'entraînais avec des clubs et c'est comme ça que j'ai essayé de m'habituer à jouer au football. Et là, vous vous intégrez Indomable, comment ça s'est passé votre contact pour que vous retrouviez dans cette formation de l'Académie Indomable? Oui, c'était vraiment par la grâce de Dieu. Parce que dès le départ, j'appartenais à Resmart Academy, un centre de formation du côté toujours de Goldison, précisément au stade de cinéma, où j'ai fait mes débuts. Dès le départ, on s'entraînait, on jouait dans la Lekki. Et bien après, avec l'arrivée du manager Bailly, le coach Raymond nous a parlé de Indomap, il nous a dit on va jouer quelques matchs avec contre ce centre de formation et le jour venu nous sommes allés jouer, c'est par là que le manager Bailly m'a détecté. Et là avec Indomable vous faites quand même un bon parcours, vous jouez la 3e, la 4e division départementale, comment s'est passé, décrivez-nous un peu la saison avant qu'on arrive à votre arrivée dans AS Fortuna. Ouais, au départ c'était bien, nous sommes arrivés à Indomap. On a commencé, on a cru au projet parce que ce n'était pas du tout facile dès le départ. Nous sommes arrivés, on a commencé la saison, on ne faisait que repousser la saison. On s'entraînait, on ne lâchait pas prise. Ça a été très long la préparation du championnat. Et bien après, le championnat lancé, je n'étais pas avant-centre du tout. C'était franchement dans la formation. J'ai commencé au milieu de terrain à Indomap. Et du jour au lendemain, après les nombreux conseils des gens autour de moi, et c'est le manager Bailly, dès son arrivée ici, me dit donc, avec ton gabarit, ta puissance
et ton énergie, tu peux faire des choses en attaque et c'est là où tu me lances en attaque. Et là, on va parler de cette attaque où vous faites un bon championnat en 4e division malgré que la normalisation met un terme à ce championnat avant le temps. Et après ça, vous êtes détecté, vous êtes promu du côté de Fortuna. Comment s'est passée la relation? Comment votre intégration s'est passée du côté de AS Fortuna? Oui, dès l'arrivée du manager, il nous a fait comprendre qu'il va nous faire jouer des matchs amicaux contre les clubs d'élite pour pouvoir jauger notre niveau. C'est lorsqu'il organise le match amical contre AS Fortuna, ici dans ce stade du côté de centre technique de l'Afrique Foot qui organise ce match et nous sommes venus, on a joué contre AS Fortuna et c'est par là que le président dont je remercie beaucoup, M. Noir Roger, qui fait donc ma connaissance et après ce match il m'interpelle et dit bon voilà, Fiston, tu as fait un très bon match et je vois que tu as de très bonnes qualités et j'aimerais faire avec toi. C'est par là dont je dirige vers mon manager, M. Igor Baye. Et là, avec Fortuna, est-ce que ça a été évident? Il y avait 200 joueurs pratiquement au test au sein de 4e division. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous puissiez créer votre plan? Vraiment, ce n'était pas du tout facile. Dès le départ, ce n'était pas vraiment facile parce que arriver dans un nouveau groupe comme ça et sortant d'une division inférieure, c'était vraiment pas du tout facile. Mais avec la confiance dont les coachs, le staff de Fortuna m'a donné, et ils m'ont beaucoup poussé vers le haut et m'ont fait comprendre que je pouvais. Et c'est par là que je suis passé. J'ai essayé de forcer, de persévérer jusqu'à un niveau où je me suis retrouvé en train de faire ma première liste contre Fetcher. Avant ça, j'arrive, on perd 1-0. Et quand on revient ici à Yaoundé, le coach m'appelle, il me dit Abdel, je vais contre UMS, tu vas commencer titulaire. Je dis ben ah bon, il me dit c'est ton baptême de feu, c'est ton premier match titulaire. Il me dit, je sais que tu vas me faire gagner ce match. Je lui dis bon, mais coach bien sûr, vous m'annoncez ça comme ça, c'était vraiment excitant. Bon, à combien de jours du match hein? C'était à la veille du match, on était à l'hôtel lorsqu'il me dit ça. Pour moi, dormant, j'avais seulement la tête de la caisse sur ce match. C'est par là où le lendemain, on commence le match. Dès l'entame de jeu à la 10e minute, j'ai inscrit le premier but du match. Et là, on va dire que c'est pratiquement le déclic ce match. Après vous enchaînez, vous êtes convoqué chez les Lions Juniors. Parlez-nous un peu de cette période de votre vie. Est-ce que quelque chose a changé entre l'ancien Abdel et l'Abdel d'après cette période que vous êtes en train de vivre maintenant? Non, peut-être, moi je vais dire c'est le même Abdel, mais du côté sportif, beaucoup de choses ont changé. Parce que je me retrouve dans un cadre où on demande beaucoup, énormément. Et c'est ce niveau où il y a le changement, du niveau des exigences qu'on demande après ou avant un match. Donc c'est dans ce côté-là que je vais dire qu'il y a eu changement. Mais au niveau de mon comportement, mes habitudes, c'est le même Abdel. Vous avez les mêmes amis. On sait que plus souvent, quand vous êtes convoqué à l'équipe nationale, il y a des nouveaux amis qui arrivent, les amis de richesse, comme on dit souvent. Non, bien sûr, ça arrive, mais on n'oublie jamais où on sort. Et sur cette pensée-là que j'essaie toujours de communiquer avec des gens qui m'ont toujours soutenu. Je vais dire bien rendu, c'était vraiment pas du tout facile. Je suis parti de 2-0 en 2-0, donc je sais que je ne peux pas oublier cela, y compris mes encadreurs du côté de Resmat, surtout des Indomables, j'ai beaucoup gagné. Et là, on est en train de sortir pratiquement de cet entretien, de cette causerie. Vous êtes actuellement avec les Lions Juniors du Cameroun. Comment ça se passe au stage? Comment vous avez été accueillis? Comment vous avez été bizouté, comme on dit le plus souvent? Ouais, c'était vraiment émouvant. Dès l'arrivée, le team manager nous a bien accueillis, il nous a donné nos paquetages, il nous a parlé, il a dit d'être ne pas se stresser. Bien sûr, c'est le vert ou jaune, on dit qu'on porte le maillot de l'équipe nationale, il y a un poids sur nous. À l'arrivée, on nous a beaucoup parlé avec l'appui des coachs.
le coach Christophe, le coach Jalaï Consort, nous ont beaucoup parlé. Et c'est tous dans cette lancée-là qu'on a commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Et les choses se passent très bien du côté des Lions. Est-ce que vous comptez gagner votre place d'ici le 12 mai prochain pour sa remise à Madouadjo pour ce match aller? Oui, avec toujours l'esprit de gagnant et l'esprit de combattant qu'on a toujours quand nous sommes dans l'air de jeu. Je compte bien gagner ma place dans cette équipe. Et là, Abdel souhaite jouer comme qui? Oui, j'ai beaucoup d'idoles, mais plus précisément l'attaquant ivoirien Didier Drogba, parce qu'il a des qualités dont je travaille chaque jour pour en avoir, du côté de sa puissance, de sa qualité de coup de tête et ses enchaînements de frappe des deux pieds. Quelles sont vos habitudes culinaires? Vous aimez manger quoi? Du ndolé, du coq? J'aime bien la nourriture traditionnelle de chez nous, qui est le couscous ndjapche, comme on le dit souvent. Et c'est une spécialité que j'aime bien consommer. Et habituellement, j'aime beaucoup aussi suivre la musique, ça me détend énormément. Quelle est la musique qu'on voulait sortir véritablement par là? Quelle est votre musique la plus adulée? Ma musique, j'ai plusieurs variétés. Celle que vous aimez le plus avant d'aller dans les matchs ou que vous soyez dans ces matchs, qu'est-ce que vous aimez écouter avant de rentrer sur l'air de jeu? Voilà, avant de rentrer sur l'air de jeu, j'écoute souvent plus ce qu'on appelle chez nous les Bamoun, le Zikiri. Donc ce qui fait dans des chants de louange du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour de temps en temps, lorsque je chante ça, je sens que le Seigneur est avec moi et j'entre au stade avec un air un peu détendu. On va ressortir par là, vous allez un peu mimer une de ces chansons parmi tant d'autres. Et c'est à travers ça qu'on va clôturer cette partie. Oh, on me le dit souvent, moi, 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 mara solo, moi, mara solo, moi, moi. On va vous dire infiniment merci, Abdel, infiniment merci. Et surtout, on va se retrouver au prochain numéro. Beaucoup de chance pour vous. Restez concentrés toujours. Continuez de travailler. Ah, merci beaucoup. L'histoire d'Abdel Mefira devrait inspirer plusieurs footballeurs. Découvert depuis l'Académie Indomable Cameroun, il y a de cela quelques années, encore footballeur amateur en 4e division ici au Cameroun. Aujourd'hui, le championnat national d'élite professionnel au Cameroun ne parle que d'un seul nom, Abdel Mefira, 1m90, 19 ans, à peine 4 matchs que déjà il a fait trembler les filets par 3 fois. Présélectionné chez les moins de 20 ans, la sélection nationale junior, il a une fois de plus donné raison à ceux-là et qui pensent beaucoup de bien de lui. 5 buts inscrits en 5 rencontres amicales. Abdel Mefira, aujourd'hui, se classe parmi les plus grands attaquants du championnat camerounais et a tout, pourquoi pas, pour devenir l'un des prétendants à la sélection nationale du Cameroun. Tout ce qu'on peut dire, c'est lui souhaiter tout le meilleur pour la suite de la carrière. Depuis qu'il est à Fortuna, je me rends compte qu'il est en train vraiment de grandir. Au niveau de ses qualités, c'est à mon avis, c'est un avant-centre de fixation qui, sur le plan, à l'impact physique, sur le plan athlétique, il est vraiment prêt. Je pense que ce petit bonhomme est en train de faire un très bon chemin parce que déjà dans Fortuna, il est le meilleur buteur. Il est à 3 buts en, je crois, 4 matchs. C'est pas mal pour lui. Il est en train vraiment de prendre un volume très dans votre effectif, un joueur qui nous intéresse particulièrement, il n'était pas là cet après-midi. Abdel, est-ce que vous pensez que sa présence aurait pu changer quelque chose? Oui, ben certainement, c'est notre meilleur buteur. Ouais, c'est quelqu'un qui a le sens du but. Je pense que certainement, avec les nombreuses quand on a eu, s'il avait été là, qui sait? Peut-être qu'il serait en train de nous faire jubiler. Il a l'équipe nationale, qu'il en profite et qu'il fasse vraiment tâche d'huile. Sa plus grande qualité, c'est la frappe dans le but. Merci. Vous êtes quand même dans le management depuis plusieurs années. Vous avez suivi ce jeune depuis la formation Indomable. Aujourd'hui, il se retrouve au sein de AS Fortuna en première division, convoqué chez les U20. C'est-à-dire que la courbe d'Abdel ne fait qu'être croissante. Comment vous le trouvez?
Ben écoutez, Mourad, il faut dire que c'est la grosse surprise de ce début de saison. Abdel, c'est un petit que j'ai vu grandir, que j'ai découvert comme ça à l'Académie Indomable où il a fait ses premiers pas. Il faut dire que à la base, c'était un milieu de terrain très très solide, très dur sur l'homme et qui défendait beaucoup. Et je pense que ses coachs et son manager Igor Baye a eu l'inspiration comme ça de faire de lui d'un milieu défensif à un attaquant. Et aujourd'hui, ça marche bien, ça passe bien parce que aujourd'hui, les faits nous donnent raison, les faits donnent raison au manager Igor Baye parce que 3 matchs, il en a à 4 matchs, il a marqué 3 buts et en sélection, en pré-sélection junior, il a pratiquement marqué en 5 rencontres, 5 buts. Il faut dire que c'est un attaquant très prolifique et les faits nous montrent aujourd'hui que son véritable poste, c'est le poste d'avant-centre. C'est vrai qu'il est à ses débuts, c'est vrai qu'il lui faut encore beaucoup de travail, mais toutes les indications nous montrent que Abdel est en train de devenir un très grand attaquant sur lequel on pourra compter à l'avenir. Pour vous, quelle est sa plus grande qualité? Mais écoutez, c'est un attaquant. Vous savez, dans le football moderne, il y a plusieurs types d'attaquants. Il y a les attaquants de percussion, il y a les attaquants d'appui. Abdel, moi, je le classe, je le mettrais dans la catégorie des attaquants qui jouent en appui, en pivot, c'est-à-dire qu'il a un gros impact physique et sa présence physique permet comme ça d'ouvrir des lignes pour que les autres plongent et puissent marquer des buts. Et déjà, l'une de ses plus grandes qualités, c'est son sens du but parce que c'est un attaquant assez prolifique. C'est un attaquant qui sait s'ouvrir le chemin de but et c'est un attaquant qui a la capacité de jouer deux buts. Donc, je pense qu'on n'en trouve pas assez d'attaquants, beaucoup d'attaquants comme là dans notre championnat et dans le championnat africain, pourquoi pas dans le monde. Il est encore jeune, il a 19 ans et sa marge de progression est assez grande. Je pense qu'avec beaucoup de travail, et il a la chance comme ça de faire partie de l'écurie Fortuna. Et vous savez l'historique de Fortuna. Fortuna, c'est une équipe qui a quand même comme ça découvert plusieurs grands joueurs. Je citerai par exemple Zambouanguissa, que tout le monde connaît à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'aujourd'hui, Abdel est dans la même lignée. Et si Abdel continue à travailler, s'il garde surtout la tête froide, parce que vous savez, les jeunes ont souvent ce problème, ce véritable problème. Une fois que le football, une fois que les choses commencent à s'ouvrir en face d'eux, ils perdent souvent la tête et ils n'arrivent plus à travailler. Je pense que s'il a cette capacité, s'il a cette lucidité de garder la tête froide, il sera un très grand attaquant à l'avenir. Qu'est-ce qu'il devrait travailler en plus en ce qui concerne peut-être un petit dépôt? Voilà, je me mets dans la posture du coach. Je crois qu'il devrait beaucoup plus travailler la vitesse et la vivacité parce qu'il a encore un tout petit problème de démarrage. Peut-être, vous allez me dire, c'est à cause de sa taille. Quand même, c'est 1m90 et à 1m90, on ne démarre pas comme quelqu'un qui a 1m75 ou 1m60. Mais je pense qu'il devrait un tout petit peu améliorer sa qualité de vitesse, sa qualité de démarrage, c'est-à-dire le travail de vitesse et de vivacité. Et il devrait aussi travailler ses appels de balle parce que, vous savez, le football, il faut beaucoup bouger. Il faut bouger pour déstabiliser les défenses adverses. Et vous le savez aussi qu'un défenseur est vulnérable quand il défend en mouvement. Il devrait comme ça améliorer ses appels de balles dans la profondeur, dans les petits espaces. Je pense que si il améliore ses qualités, il sera un très grand buteur. Jeune Abdel qui nous servait d'invité ici au centre technique de la Fédération Camerounaise de football. On pense que c'est un jeune qui est parti de 4e division. Aujourd'hui, il est en train de faire ses pas dans le championnat de Ligue 1. Il est chez les Lions juniors du Cameroun. On lui souhaite beaucoup de vent. J'étais fils d'Anel Indjek à la présentation. Derrière les baguettes de l'autre côté, on avait le manager président Adam Poumi. Abdel nous a servi d'invité. Inch'Allah, on se retrouve au prochain numéro. We'll be right back.